Bonjour, je m'appelle William Bombardion, j'ai 31 ans, j'habite à Arèche-Beaufort. Je mesure 1,86 m pour 81 kg. Je suis père de famille, j'ai deux enfants, un de 4 ans, l'autre qui a 1 an et demi. Je travaille à la coopérative laitière à Beaufort, on fabrique du Beaufort bien entendu. William, il t'en reste combien à faire là? 150 à peu près. Le corps, il est bien chaud. Toutes les parties du corps ont été chauffées. Pas comme quand on se lève le matin et qu'on chausse les skis direct. Au niveau de l'entraînement, je ne suis pas quelqu'un qui va faire énormément d'heures. Il faut dire qu'il faut avoir le temps pour les faire. Quand on travaille le matin, très tôt à 4 heures jusqu'à midi et demi, qu'on a une sieste, enfin c'est une seconde nuit, et qu'il faut récupérer les enfants à l'école, à la crèche, ça laisse un peu moins de temps pour s'entraîner, alors on essaye de faire avec le temps qu'on a, et du coup ça fait pas beaucoup d'heures sur l'année par rapport à d'autres qui sont plus professionnels et qui ont plus le temps de faire beaucoup d'heures d'entraînement. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les faire? J'en sais rien, mais moi ça fonctionne comme ça pour l'instant, alors je continue comme ça. Ouais, j'aime le ski de rando parce que c'est un sport d'endurance et après ça c'est quelque chose qu'on a en nous. Hein. Toute personne qui fait du ski rando, enfin, ou un sport d'endurance aime faire des efforts longs sur une discipline. Là, le faire en pleine montagne et en toute liberté. En changeant souvent de parcours, on n'est pas sur un stade à tourner en rond et on découvre plein de belles choses en montagne. Tout au long de la saison, les couleurs changent, les odeurs changent, la faune sauvage est présente et c'est le fait d'être en montagne qui nous attire, quoi, enfin, qui m'attire surtout. Non, j'essaye de manger de tout sans abuser des mauvaises choses. C'est un équilibre comme n'importe qui devrait faire pour se sentir en bonne santé, on va dire. Je garde des traditions de mon village, ma famille, du vrai montagnard, de faire le cochon, de faire sa viande en famille, de faire le jardin. J'aime avoir des trucs saines et naturel, quoi, tout simplement. Je commence mon entraînement pour l'hiver à partir du début octobre, on va dire. Où là, il va y avoir 2 mois et demi de foncier où il y a du gros volume. En course à pied, un petit peu de ski roue et le vélo, c'est un petit peu sur la fin en général. Ça commence à faire un peu froid. Après, on a les courses qui commencent vers le 20 décembre. Là, il va y avoir un petit peu moins de foncier. Les courses vont s'enchaîner tout l'hiver. C'est un maintien de la forme entre les courses. Et après, je vais faire une coupure au printemps. Une coupure de 15 jours, de 10-15 jours. Donc, je vais rien faire. Et après, je vais reprendre la course à pied et vélo dans l'été, où je vais faire quelques kilomètres verticaux pour donner des petits objectifs à l'entraînement, que ce soit un peu plus motivant aussi. Jusqu'à mi-septembre, fin octobre, ça dépend. Là, je refais une coupure avant de rattaquer la saison d'après, quoi. Avant, ça bricolait beaucoup les chaussures, des trucs comme ça. Maintenant, on arrive à les marques, sortent un produit qui est fini et on n'a plus le droit de le bidouiller comme avant. Il y a juste mes skis où je tiens tout le temps à les entretenir moi le plus régulièrement possible. De faire l'écart, ça fait bien longtemps que je les fais. J'ai l'habitude de les faire et je les fais tout le temps de la même manière. Et ça va bien comme ça. Technicien de chez Dynastar, il me demande tout le temps est-ce que je touche à tes skis ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as déjà fait quelque chose? Il me connaît, on se connaît bien tous les deux et c'est sur ce point-là où je suis encore bien présent sur quelque chose de spécifique dans la préparation, quoi.
du matériel. Après, c'est des petites bricoles, hein, au niveau du sac, des gourdes, de, chacun sa petite, son petit truc préféré. Quoi. Tu as de l'argent, c'est pour durcir la peau. C'est bien sujet aux ampoules. Alors, du coup, je mets des protections. J'ai un entraîneur qui s'appelle Jean-Louis Ball. Il connaît mon emploi du temps à la maison, au travail. Et il fait mon entraînement en fonction du temps que j'ai, de la météo qu'il y a. C'est juste super quand je reçois l'entraînement. Il me dit « Je t'ai mis un footing ce jour-là parce qu'il pleut. Je t'ai mis une grande sortie ce jour-là parce qu'il fait beau temps. J'ai même plus besoin de regarder la météo. » Et c'est ce qui est génial, quoi. Il faut tenir compte de toutes ces contraintes. Donc voilà, après, il a un avantage, c'est d'habiter à côté des pistes. Ça permet de faire des entraînements, de rentrer carrément les skis à la maison. Quoi. Donc ça permet de jongler un petit peu, d'avoir dans une journée qui est un peu dense, d'arriver à placer de l'entraînement malgré tout. J'ai la montre sur moi et avec les nouvelles technologies, Garmin Connect, ça va directement sur Internet. Il a mon mot de passe pour pouvoir aller sur ma page et il suit mes entraînements. Direct de chez lui. Aujourd'hui, il y a une grosse évolution du matériel en termes de suivi d'entraînement. Il y a des montres évidemment qui captent le pouls, les distances avec le GPS. Ça évolue beaucoup. Aujourd'hui, il y a une Garmin 920, donc il y a même des capteurs de cadence qui ne marchent pas forcément en ski alpiniste, mais qui marchent à pied. Il y a des accéléromètres, donc il y a tout un matériel qui permet effectivement de faire d'entraînement à distance. Si ce n'était pas le cas, d'ailleurs, on ne pourrait quasiment pas entraîner à distance. Moi, je joue pas mal ce qu'on appelle sur la fraîcheur, c'est-à-dire qu'on est entraîné, mais on est frais quand on arrive en compète. Et pas entraîné, mais saturé. Et ça, c'est important. Je sais qu'il a commencé il y a encore 6-7 ans à 350 heures par an, de tout sport confondu. Et là, je vois qu'il est à 450, en fait. Donc ça fait 8 heures, on va dire, par semaine de moyenne de l'année. Bon, après, il y a des coupures. Les pics, ça peut monter à 15 heures, mais très rarement. Le nombre de semaines où on atteint 15 heures dans l'année, il est limité peut-être 3 ou 4 semaines, pas plus que ça. On fait varier les charges, on n'a jamais un entraînement linéaire, hein. C'est important de varier les charges. Mais voilà, le pic, il est peut-être à 15 heures. Donc la moyenne, c'est 450 heures, et en dénivelé, donc ça tourne en ski, c'est 150 000. C'est régulier, 140, 150 000 par an. Et au niveau des sports complémentaires, donc essentiellement course à pied et vélo, il faut rajouter 100 à 120 000. On a un volume qui est relativement limité. Je pense que par rapport au top 10 ou 20 de la Coupe du Monde, il est certainement dans le quart qu'en fait moins en termes de quantité. Et on axe pas mal sur la qualité. Il y a une faculté à bien passer les épreuves les plus longues, comme par exemple la Pyramide, quand il y a 4 jours de suite de compétition, bah, il arrive à bien tenir les 4 jours, même s'il y a un volume qui n'est pas extraordinaire. Quoi. Le résultat de Wigan, c'est déjà championnat du monde et d'Europe 2012, 2013, 2014 hein, en individuel. Il a gagné 3 fois de suite, c'est le seul qui a fait ça. Après, il y a la Pyramide 2013, et puis les individuels, je crois qu'il a gagné 7 individuels entre 2010 et 2014. De mémoire, je crois qu'il faisait jeu égal avec Ilian là-dessus. Donc ça, c'est ses points forts sont là, quoi.